Bonjour mes élèves, comment allez-vous? On va continuer la leçon de quel mystère? Le livre est page 51, situation 3. Situation 3. Police, ouvrez! Monsieur Gérard Lamy, c'est vous? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui pose les questions, monsieur. Vous êtes photographe, je crois. Oui. C'est exact. Je suis photographe. Est-ce que vous connaissez Mademoiselle Le Mercier? Oui, c'est ma voisine. On se rencontre parfois dans l'ascenseur. Ah bon? Dans l'ascenseur seulement? Oui, dans l'ascenseur. Vous ne connaissez pas son appartement? Non. Monsieur Lamy, vous mentez. Accompagnez-moi au commissariat, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui passe? Qui passe? Croire. Croire. En être. En être. De rencontre. De rencontre. L'ascenseur. L'ascenseur. Mentir. Mentir. Et commissariat. Et commissariat. L'inspecteur. L'inspecteur. Poser. Poser. Photographe, photographe. Exact, exact. Un voisin. Parfois, parfois. Seulement, seulement. Accompagner, accompagner. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Un coupable ou une coupable. Maintenant, ouvre le bouclier de page 25. Les vocabulaires de situation 3. Une question. Question. Maintenant, les questions. En A. Réponds aux questions. Et qui est Monsieur Lamy? Qui est Monsieur Lamy? Monsieur Lamy est le voisin de Mademoiselle Le Mercier. 2. Qui pose les questions à Monsieur Lamy? Qui pose les questions à Monsieur Lamy? C'est l'inspecteur qui pose les questions. Question B. Mais vrai ou faux? 1. Monsieur Gérard Lamy était un photographe. Monsieur Gérard Lamy était un photographe. 2. Monsieur Gérard Lamy est le coupable. Monsieur Gérard Lamy est le coupable. 3. Monsieur Gérard Lamy rencontre Sarah dans l'ascenseur. Monsieur Gérard Lamy rencontre Sarah dans l'ascenseur. Question C. Complète. Numéro 1. Monsieur Gérard Lamy. Et il est de Sarah. Gérard Lamy est photographe. Il est le voisin de Sarah. Numéro 2. Il va accompagner l'inspecteur au car il est le. Il va
accompagner l'inspecteur au commissariat car il est le coupable. Numéro 3. L'inspecteur pose T à Monsieur Gérard Lamy. L'inspecteur pose des questions à Monsieur Gérard Lamy.